vous allez bien? Moi je vais bien. En plus, c'est la première fois que vous voyez ma tête, si je me trompe pas. Je suis désolée parce que je dois avoir une sale tête. J'ai fait un peu la fête avec des amis hier. Pas hyper tard, mais tard quand même. Donc, du coup, j'ai un peu la tête dans le hum ce matin. Mais ce matin, je vais à Version Scrap à Lille. Donc je suis en forme quand même, hein. J'ai le temps de me réveiller sur la route parce que j'ai à peu près 40 bornes pour y aller. C'est pas beaucoup comparé à certaines, mais bon, voilà. Et donc je vais rejoindre Karine, qui est Lutin Création pour celles qui ne connaissent pas. Et on s'en va toutes les deux là-bas, donc si j'y pense, je prendrai de temps en temps la caméra pour filmer un petit peu, pour vous montrer comment c'est la Version Scrap à Lille. Même si c'est soi-disant moins bien que Paris, je suis déjà bien contente d'y aller et de me faire une petite idée sur la chose. Et puis et voilà, puis on verra bien. Donc on part sur la route parce qu'en plus là je suis 9h24, je suis à la bourre comme d'hab, hein, mais voilà. Et donc je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure pendant le salon.
que je veux. Des rewind. Pour faire si j'arrive. Ouais, bah ouais, on a oublié de le faire. Et j'ai pas fait de photo. Ouais. Tout ça, les gens, ils vont pas capter que c'est la même. En marchant, en marchant arrière. Ouais, bah si, dans les escaliers, ça va pas aller. Bon, me revoilà pour faire le débrief de la petite matinée demi-après-midi à version Scrap Lille. Pour être honnête avec vous, j'ai été pour ma part très déçue parce que j'étais allée il y a 3 ans, je pense, à Idée Créative. Et je trouve qu'il n'y a pas grand chose de plus. C'est juste qu'ils ont mis version Scrap pour faire venir plus de monde, faire venir les scrappeuses. Mais sinon, à part ça, je trouve pas qu'il y avait plus que la fois où j'avais été en termes de scrap. Bon, si ce n'est Scrap Button, peut-être, enfin, pour quelques marques supplémentaires, mais franchement, le côté scrap, de version scrap, c'est, enfin, je ne sais pas ce que ça donne à Paris, je ne sais pas ce que ça a donné à Lyon, mais pour ma part, je trouve que ça faisait un peu pitié. Il y avait beaucoup plus de choses à idées créatives. On a eu de faire un petit tour vite fait, mais bon, voilà, après, ça nous intéressait pas, c'était de la broderie, c'était beaucoup de trucs avec des cabochons, enfin... Voilà, enfin, ça nous intéressait pas tant que ça. On a vite fait le tour. Honnêtement, en 2 heures, ça pouvait être torché. C'est parce qu'on a traîné, on a fait un peu le tour plusieurs fois. On a mangé un petit bout, tout ça. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a fait nos grosses gamelles. mais sinon, ouais, honnêtement, je pense pas que j'y retournerai l'année d'après. Parce que, enfin, s'ils le refont, je pense pas que j'y retournerai. Je pense pas non plus que j'irai à version Scrap Paris parce que... Enfin, honnêtement, pour quelqu'un qui vient de Lille, ça coûte un peu trop cher, je trouve, au niveau du transport, tout ça. Même si c'est génial, même s'il y a plein de copines à rencontrer, ben, moi, je préfère claquer 70 euros dans du scrap que de le claquer juste dans le transport. Donc voilà, chacun sa façon de voir les choses, mais moi, c'est la mienne, elle est comme ça. Donc oui, au niveau des tarifs, c'est pas, y a pas vraiment de bonnes affaires, hein, on va dire. Je pense que les prix sont beaucoup plus intéressants sur internet. C'est sûr que je m'attendais pas à retrouver du prix AliExpress, hein, mais voilà, après des petites choses qu'on a trouvées un peu bizarres, c'est genre la boutique Florilège qui était bon, pas grand chose, hein, 5 ou 10 centimes supplémentaires, enfin 5 ou 10 centimes de plus au niveau de leurs tampons ou de leurs ongles, je sais plus, par rapport à une boutique qui vendait justement la marque Florilège. On s'est dit, bon, on voyait pas trop pourquoi. Justement, ça devrait plutôt l'inverse. Donc voilà, alors je vais vous montrer, je vais pas parler beaucoup plus, enfin juste pour vous dire que honnêtement, j'étais un peu déçue. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, donc j'ai été ultra raisonnable. J'ai acheté en fait de l'encre Easy Ink à embosser, de la poudre à embosser, et c'est de la relief 3D en couleur turquoise. Donc c'est cette couleur-ci. Le prix, je crois que c'était 5 euros tout pile, je pense. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, il y avait, par contre, c'est vrai qu'il y avait un... Je sais plus le nom. Bref, c'était une boutique, en fait, c'était un anglais. Il vendait tout des... Enfin, il avait des bacs complets, en fait. Et ça marchait beaucoup par... on prenait 3 produits, c'était 10 euros. 4 produits, 10 euros. Donc, c'était pas mal. On n'était pas obligé de prendre forcément les 4, mais bon, ça valait le coup de prendre 4 produits. Mais après, il fallait encore que ça nous intéresse. Moi, j'avais eu le coup là avec cette planche de tampons. En fait, c'est des trucs sur le thème de Noël. Donc, j'avais le coup avec cette planche de tampons où il fallait 4 planches de tampons comme ça à peu près pour 10 euros. Franchement, c'est pas cher du tout, sauf que bah, c'était des planches de tampons qui ne m'intéressaient pas du tout. C'est plus du genre pour faire pour les filles qui font des cartes. Et ils étaient pas, pour être honnête, c'était pas mon goût et je les trouvais pas super beaux non plus. Même si des fois je me dis, ah, je fais pas de cartes, c'est dommage parce que ça c'est beau. Là c'était clairement moche. Donc voilà, j'ai pris que celle-ci, donc du coup j'ai payé 3 euros. Donc je pense que c'est largement raisonnable. Hein. C'est, je sais pas si c'est une marque connue ou pas, Naughty and Nice. Mais voilà, là c'est écrit, hein, je vous montre pas, il est écrit 16 euros. Non, 16 livres 99. Donc voilà, moi j'ai 3 euros, c'est pas mal. Hein. C'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui,
Alors en fait, avec Karine, on a acheté ça. Et c'est pareil, ça c'était 4 feuilles pour 10 euros. C'est des. Pas des feuilles. C'est de la mousse en fait pour monter les tampons. Alors comme on avait toutes les deux. On voulait en prendre une parce qu'elle, elle devait monter des tampons qu'elle avait achetés. Et puis moi, je me suis dit, je sais qu'une fois chez Sagapo, il y avait des tampons qui m'intéressaient, mais j'avais pas cette mousse en fait pour monter les tampons, donc je les ai pas pris. Je me suis dit, ben, je vais la prendre comme ça. La prochaine fois, si ces tampons m'intéressent, ben, dans ce cas-là, ben, c'est bon, j'aurai ce qu'il me faut. Donc ouais, on a payé, du coup, on a pris une feuille comme ça. Donc il a vendé toute seule 4 euros, mais elle a pris deux autres produits avec, donc ça a fait 10 euros. Et de toute façon, on a divisé la feuille en deux. Après, on a été chez Denim. Denim tampon, pardon. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc ils font des très beaux tampons. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas compris au niveau des tarifs, la tarification des tampons, parce qu'il y a des tampons qui sont quasiment pareils, mais qui sont beaucoup plus chers. On n'a pas compris trop le truc, mais bon, voilà. C'est vrai qu'ils font des super beaux tampons. Il y a plein de mots qui m'intéressaient, mais bon, comme j'essaye de faire la calligraphie, je vais essayer de les faire moi-même. Ça me coûtera peut-être un peu moins cher du coup. Donc ensuite, j'avais trouvé cette planche de tampons là. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Peut-être que vous connaissez. C'est Dye & Company. En fait, le principe, c'est de prendre les flèches en fait et d'inclure dedans des mots ou bah, des motifs en fait. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer quelques exemples. Apparemment, on pourrait le faire avec des flèches qu'on possède déjà. Bon, c'est vrai que celle-ci, elle me plaisait bien. Ensuite, il y avait des planches de mots. C'était tous des mots en français. Et c'était des mots. Je sais plus ce que c'était. Mais. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, du coup, j'ai pris que les flèches. Et puis, voilà, il y a trois mots, quoi. Mais voilà, on va se débrouiller avec ça. Et je vais essayer d'y inclure dedans des mots de. Lady Swap, en fait, j'ai des planches de tampons Lady Swap et je vais essayer d'inclure en fait ces mots-là avec les petites flèches et me débrouiller moi-même. Donc voilà, cette planche de tampons-là, je l'ai payée 9,90, il me semble. Oui, c'est ça, 9,90. Donc après, ils ont. Je vais vous montrer. Apparemment, ils ont un site internet en fait où on peut acheter les tampons, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse du site en barre d'infos. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et apparemment, ils font les envois en lettres simples. Elle avait dit, je crois, 3 euros les frais postaux en fait. Donc voilà, pour les achats. Vous voyez, j'étais ultra raisonnable. Et j'ai acheté un truc pour ma fille parce que, comme il y avait le truc de idée créative. Il y avait des trucs pour les enfants, donc voilà. Donc j'ai dépensé, je pense, avec le truc pour ma fille, une cinquantaine d'euros à peine, quoi. Bon, après, ouais, c'est ça, 50 euros à peu près. Donc super raisonnable, la fille. Donc voilà. Donc ben, j'espère que la petite visite de version Scrapley vous aura fait plaisir et vous aura peut-être donné envie d'y aller, pourquoi pas. Hein. Ne vous fiez pas forcément à ce que moi j'en ai pensé. Chaque personne pense différemment, bien entendu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!